De là où le Ventoux en baisse ce matin sur la Canot. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Mercredi qui commence sous les nuages, la pluie et la fraîcheur. Une température extérieure à 13, une température de l'eau à 16, pas plus. Cet après-midi, un temps couvert, une température à 16. La marée, elle est actuellement en train de monter. Le plein haut est à 11h35 avec des tout petits coefficients de 37. Et sur cette marée qui monte, le vent est onshore. Les palmiers sont tournés dans le mauvais sens. Onshore par le sud-ouest, le vent, il est soutenu. Il y a 4 beaux-forts établis d'un rafale à 5. La peau mouton déjà énervée sur un plan d'eau qui est lui tout agité avec une houle qui est très mal réveillée. Une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest, ouest, nord-ouest. Une houle qui est déjà sur une tendance à la baisse puisque le pic est passé dans la nuit à 5 mètres et 11 secondes. Là, ce matin, en termes de taille de vague, c'est pas énorme, mais c'est quand même trop gros pour être surfé. C'est agité en plus. Il y a 2 mètres en déferlement régulier, 2,50 à 3 mètres sur la majorité des séries. Et de temps à autre sur les grossettes, petit 3,50, c'est tordu pourri. Zéro pointé pour ce début de journée de mercredi. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui devrait être stationnaire à la mi-journée, se tassant un peu en soirée. Le vent, lui, se maintenant à la mi-journée, se tassant un peu en soirée. Les prévisions à 9h, 3,35, houle ouest à ouest-nord-ouest, 12, vent sud-ouest, 4,5. À 13h, 3,35, ouest à ouest-nord-ouest, 12, vent ouest-sud-ouest, 4,5. Et à 17h, 3, houle ouest à ouest-nord-ouest, 12, vent ouest-sud-ouest, 3,4. Pas de surf et pas d'action. Prochain point, tout à l'heure.